bonjour à tous. Est-ce que le public est prêt? Est-ce que chez vous, vous êtes prêts là? Oui, ça va? Ça a l'air. Encore un peu dans la cuisine, tout ça. Bariton est prêt? Il est prêt. Alors allons-y. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. En compagnie d'Olivier. Bonjour. Accueillons Cécile. Tous les acteurs s'animent en même temps. Bonjour. Accueillons Robert. Robert, mais dites-moi, vous savez qu'on est le 30 avril? C'est la Saint-Robert aujourd'hui. Bonne fête, Robert. Je vous embrasse. Vous venez d'où, Robert? Belgique. La Belgique est avec nous. Merci. Et enfin, Nolwenn. Bonjour. Bienvenue dans l'univers d'Attention à la marque, bien sûr. Et attention, mesdames et messieurs, en cette Saint-Robert, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur TF1. Bonjour à vous. Je viens vous rejoindre, Olivier. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Technicien en agroalimentaire. Technicien en agroalimentaire, ça veut dire quoi? Technicien Je fabrique des machines pour les pots de yaourt. Vous fabriquez des machines pour les pots de yaourt? Oui. Ça va, ça vous plaît comme boulot? Ouais, c'est bien. Les copains sont sympas? Impeccable. Boulot tranquille? Tranquille. Bon, bah, c'est tant mieux. Et alors vous, Cécile, vous venez d'où? De Pont-du-Château, à côté de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est quand même sympathique, hein, d'être venu de là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis élève infirmière. Élève infirmière, on a besoin d'infirmières en France et c'est très bien. Robert, alors vous, dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Retraité. Comment ça, retraité? Oui. Déjà? Oh, dites-moi, oui, sûrement. Parce que c'est la Saint-Robert aujourd'hui. Ça, je ne savais pas. C'est vous qui me l'apprenez. Ah ben oui, bien sûr. Ben si, attendez. On est le 30 avril, c'est la Saint-Robert. Bonne fête à vous, Robert. Merci, Jean-Luc. C'est plutôt sympa. Et qu'est-ce que vous faisiez au préalable comme travail? Je travaillais en chirurgie. Pas trop dur? Ça allait. D'accord. Ben, c'est très sympa d'être venu de la Belgique. Merci. Merci à vous, Robert, et encore bonne fête. Et quant à vous, Nolwenn, vous venez d'où? De Saint-Germain-en-Cogne, à une cinquantaine de kilomètres de Rennes, en Ille-et-Vilaine. En Ille-et-Vilaine. Voilà. Bien. Et dans la vie, qu'est-ce que vous faites de beau? Je suis en BTS en alternance. Bon, ben, plutôt sympathique. Je vous souhaite bonne chance. Bienvenue à nos potes. Et bonne chance à vous. La première question va nous parler des Français et de leurs souvenirs de dents. Sur 100 Français, combien ont porté un appareil dentaire quand ils étaient petits? Apparemment, Olivier sourit. Olivier, donc vous, vous en avez encore un petit? Bah oui, hein. Hein, pour à tout âge? Bah oui. D'accord. Et vous en aviez quand vous étiez petit, non? Non. Non. Aussi, il y a vers 12 ans. Vers 12 ans. Oui. Et bien, sur 100 Français, alors, à votre avis? 50, j'ai marqué. 50. 50. La moitié. Bon, d'accord. Cécile, vous, un petit appareil quand vous étiez petite, non, même pas. Dentaire? Non, même pas. Même pas? Et vous avez répondu combien? 65%. Et quand le public, il fait « Oh !» comme ça, peut-être beaucoup, non? Peut-être. Peut-être. Robert, quand vous étiez petit, un petit souvenir d'enfance? Ben oui, j'en ai un petit. J'avais deux frères que ma maman me donnait à garder. Je les attachais après un arbre pour les garder. Comment ça? Faut pas qu'ils se sauvent, sinon je vais courir après. C'est original, au moins. Ben oui. La réponse de Robert? 8. 8. Nolwenn? Je crois que j'ai visé un peu haut. J'ai mis 75. Ah oui, 75. On doit déraper, je sais pas. Bien. La réponse à cette question est de 39. Alors, le plus proche ou la plus proche, eh ben, c'est Olivier, finalement, avec 50. Nolwenn, malheureusement, avec 75, vous allez perdre un zizipot. Mais ne vous inquiétez pas, public, il lui en reste un. Voici la deuxième question qui va nous faire partir de ce côté du Titanic. Quel était en mètre la longueur? Du Titanic. En mètres, combien mesurait-il? Bonjour Jean-Luc. Bonjour Mariton.
Je rappelle qu'il sombra, hélas, le 14 avril 1912. Oui. Après son premier voyage, l'épave gît désormais par 3872 mètres de fond. Céline, vous avez répondu. Je voulais mettre 750 et j'ai mis 75. 75 ? Ah oui, d'accord. Bien. Robert, vous avez répondu ? 350. Ah. Nolwenn ? 350 aussi. Également 350, oui. Apparemment, ça fait un bond de ce côté-là. Olivier ? 475, je crois. 475 mètres ? Ouais. Vous avez marqué 426. Bah 426 alors. On prend jusqu'à de marquer. Ouais, hein. Voilà. Hein. Bah, attendez, on va pas s'embêter non plus. La réponse est de... Eh ben 269. Robert et Nolwenn, bien joué. Bien joué à tous les deux, puisque vous êtes les plus proches. Et la plus éloignée, ça va être Cécile, malheureusement, avec 75 mètres. Nous allons, bien sûr, dire au revoir à un pote. Et on va du côté des rêves, là, maintenant. Oui. En moyenne, combien de minutes passe un Français, et pas un Belge, hein, Robert, on est désolé, mais c'est un petit peu pareil, quoi. Pas de problème. Par jour, un Français rêvasse combien de minutes? Robert, est-ce que vous rêvassez beaucoup? Ça arrive. Ça arrive. Il y a une personne qui vous fait rêver dans la vie? Ma femme qui est là. Elle s'appelle comment, votre épouse? Claudine. Claudine. Et ça fait combien de temps que vous êtes avec? 42 ans mariés. Eh bien, écoutez, Robert, donc, à votre avis, un Français passe combien de minutes à rêvasser par jour? Je crois que j'ai mis 54. 54 minutes. Le public, qu'est-ce que dit votre épouse? Trop? Trop? Bon, bah écoutez, on va voir. Nolwenn, vous, quelqu'un qui vous fasse rêver? Dans le public, ça s'excite? Non, je sais pas. Bien. Vous répondriez combien? 20 minutes. J'ai mis 20 minutes. 20 minutes pour Nolwenn. Bien. Olivier? 30 minutes. 30 minutes. Olivier, toujours célibataire? Oui. Mais bon, ça peut peut-être s'arranger, je veux dire. On sait jamais. Hein. On sait jamais. Cécile, vous rêvassez beaucoup pendant la journée? Un petit peu, ça m'arrive. Ça vous arrive? Mm-hmm. Bien. Votre réponse? J'ai mis 20 minutes. 20 minutes à rêvasser par jour. C'est une moyenne nationale que nous avons demandée. Et la réponse est de... Eh bien, 52 minutes. Robert, c'est votre fête aujourd'hui. Avec 54, ça marche très bien. Très, très bien. Je dis même très, très bien. On va perdre malheureusement deux potes, Nolwenn, un pote qui va... Aïe, 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 alors on va perdre les filles, alors. Eh oui, je suis désolé, malheureusement. Nolwenn et Cécile, vous allez nous quitter puisqu'il ne vous restait qu'un pote. On va vous offrir quand même un joli cadeau à toutes les deux. Vous l'avez bien mérité, les voici. Merci. Fini carnet d'adresse. Au revoir, carnet de téléphone. Adieu, agenda. Cet organizer vous signalera tout en temps et en heure. Merci à vous deux d'être venus. L'une de Montluçon, où elle fait ses études, aide-soignante, Cécile. L'autre de Rennes, c'est ça, quasiment à côté, c'était oui, où? Oui, Saint-Germain-en-Cogles, à côté de Rennes. À côté de Rennes, donc en Ille-et-Vilaine. Merci voilà. À vous également, Nolwenn. Et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Alors, Robert, vous êtes connu comment avec votre épouse? On est venu au train avec deux amis en plus. Vous êtes venu au train, d'accord. Oui. Vous êtes connu comment avec votre épouse? Ah, connu! Oui, oui, non, c'est pas grave. Excusez-moi. On était à un mariage et on s'est connus là. D'accord. On s'est connus comme ça. Ok, et ça c'était fait... ma cavalière à un mariage et puis voilà. D'accord, donc plus de 40 ans? 42 ans. 42 ans. Des enfants, non? Trois enfants, trois petits-enfants. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, heureux grand-père. Oui, et vous, Olivier, donc seul depuis longtemps ou... Non, non, 6 mois. 6 mois à peu près, ouais. Et ça va? Ouais, ça va, ouais. La première question, c'est la question coquille. Sur 100 femmes, combien ont connu
leur dernier partenaire sexuel au travail. Vous, est-ce que dans les emballages de pots de yaourt... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Il n'y a que des hommes ou... Ouais, que des hommes. Ah bon, il n'y a pas une seule femme de... qui se cache derrière un pot de yaourt, rien. Non, rien. D'accord. Vous répondez, Olivier? Donc, ouais. 30. 30? Ouais. Robert, en ce qui vous concerne, c'est le jeu du plus ou du moins? Je dirais moins. Vous diriez moins. Vous, au boulot, il y avait des femmes, Robert? Il n'y en avait pas. Dans la sidérurgie? Pas beaucoup. Deux, oh. Trois. Deux, trois au début, après, il n'y avait plus. Travail trop dur? Oui, je pense quand même. Vous pensez quand même? Oui, on faisait les tournées. Des tournées, bon, la nuit, tout ça. Ah, vous faisiez des tournées la nuit avec les filles? Ah non, pas avec les filles, il n'y en avait pas. Ah, il n'y en avait pas, d'accord. Non. Et donc, c'était un peu dur, quoi? Ouais, un peu. Un petit peu. D'accord. Robert, donc, moins. Et la réponse est... moins, c'est 14. Bravo, Robert. Robert, le dessin animé, tout premier que vous ayez vu, c'était... Popeye. Okay. Mais c'est vrai. Popeye? Oh, je pense. Avec Olive et Mimosa? Je sais pas comment elle s'appelle. Mais... Olive, oui. Mais oui, sa femme, c'était Olive. Oui, c'était Olive. Elle était toute maigre. Oui, toute maigre, des grandes jambes. Oui. Et puis... Et le petit, vous vous rappelez pas, c'était Mimosa. C'est ça, Bariton, non? Absolument, oui. Et vous, Olivier, un dessin animé, s'il vous plaît? Peut-être Bambi. Ah, Bambi. Ouais. Ouais. Mais bien. C'est pas comme ça que tu vas trouver une fille, Olivier. Non, hein, mais c'est bien, Bambi, c'est mignon. Ben hein. Oui. Nous allons parler du tout premier long métrage. Justement, en quelle année est sorti le premier dessin animé de long métrage de Walt Disney au cinéma? Robert, le tout premier long métrage. En 1930, le tout premier Walt Disney. Olivier? Plus. Plus, donc plus jeune, en fait. Ouais. Hein, on est d'accord? Donc après 1930, hein? Ouais. La réponse est... Ah ben, c'est plus 1937. Bravo, Olivier, vous égalisez, tout va bien. Il s'agissait bien sûr, Jean-Luc, de Blanche-Neige et les Sept Nains. Effectivement, 1937. Robert, quand vous alliez au travail, vous y alliez en quelle tenue vestimentaire? Cool, jean. Cool, jean. Jean, oui, cool. Cool, jean. Voilà. Jean, cool. Jean, cool. Vous, Olivier? Pareil, en jean. Hein. Jean aussi? Ouais, ouais. La question nous dit sur 100 Français, combien sont déjà allés travailler en short? Ça a valu d'ailleurs quelques désagréments, si ma mémoire est bonne, à une personne qui est rentrée en conflit avec son patron. Et c'est maintenant quasiment interdit d'aller travailler en short, non, Bariton, dans les entreprises? Oui, en principe, dans une entreprise... Une tenue? Oui. Minimum? Bien sûr. Enfin, ça dépend si on est plagiste. Oui, là, effectivement, on va travailler en short. Olivier? 15. 15, bien. Robert? Je dirais moins. Vous diriez moins de 15. Et la réponse est... 26, c'est plus, Olivier, ça monte pour vous. Déjà travaillé en short. On continue en musique. Pédale au maximum sur un piano, Robert. Au maximum. 3. 3 pédales pour Robert. Pour Olivier? Plus. Plus? Ouais. Vous avez l'air assez confiant, non, Olivier. Moi, ouais, plus. Il y a, alors, les pédales, vous savez bien sûr quelles sont leurs utilisations, Bariton? Absolument, Jean-Luc. Alors... Nous avons la pédale gauche. Appelée la pédale douce. Pédale douce. Diminue, adoucit le son.
pédale douce qui diminue le son. Absolument. D'accord, c'est donc celle-là, c'est celle de gauche. Voilà. D'accord. Elle étouffe un peu. Absolument. Elle étouffe, elle diminue, elle apaise, elle tranquillise le son. Absolument. Celle de droite? Alors, celle de droite, c'est la pédale forte qui augmente la durée de résonance des cordes frappées. Et sur certains pianos, il y a la pédale de sourdine au milieu qui se bloque pour assourdir tout le clavier. Eh bien alors, c'est un toupie, le Robert. Absolument. Mais c'est la Saint-Robert. Mais bravo, El Roberto. Dans la mesure où il y a un toupie, eh bien, nous allons avoir quelqu'un en toupie, non, au bout du fil? Et oui, car grâce à la complicité de TéléZ, des amis, un téléspectateur est tiré au sort parmi les bulletins de participation et papiers libres reçus. Il va remporter le même cadeau que vous, Robert. Il s'agit de... Il s'agit de Christian Leroux à Saint-Lubin, en Vergonnois, dans le Loir-et-Cher. Bien. Allô? Christian? Allô? Christian? Oui? C'est Jean-Luc! Bonjour! Bonjour, Christian! Christian, est-ce que vous regardiez TF1, Christian? Toujours? Toujours? Ben écoutez, c'est très bien. Christian, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Retraité. Bon, ben écoutez, tranquille. Qui est à côté de vous, Christian? Mon épouse. Mon épouse? Elle s'appelle comment, Christian? Janine. Vous pouvez me passer Janine, Christian? Oui. Je vous remercie. Tout de suite. Oui, merci bien. Allô, Janine? Bonjour, Jean-Luc. Et comment allez-vous, Janine? Ah, ça va très, très bien. Janine, oui. Je vous présente Robert, c'est sa fête aujourd'hui. Oui, bonne fête, Robert. Merci, Janine. Ah, j'entends plus, parce qu'on a beaucoup de monde à la maison et ça fait beaucoup de bruit. Ah ben, ça s'entend, hein? Oh là 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 là. Alors, dans une des deux enveloppes, il y a un petit cadeau, dans l'autre... Ah oui, mais il... alors, je sais pas, c'est pas à moi de choisir. Ah ben, c'est comme vous voulez, hein. Eh, hey, Poussin! Oh, pardon, excusez-moi. Eh, hey, Poussin, attends, là. Non, non, et Poussin, c'est bien aussi, Poussin. Allez, Poussin! C'est à toi de choisir. Bon, ben, je vous laisse, Jean-Luc, et je vous embrasse. Ah. Merci. Vous l'appelez Poussin tous les jours? Tout le temps, même nos amis du tarot l'appellent Poussin. Eh ben écoutez, et lui, il vous appelle comment? Moi, il m'appelle Lapin. C'est la vraie basse-cour. C'est Poussin et Lapin? Poussin et Lapin. C'est une belle basse-cour, tout ça. Mais bien sûr. Mais ça, et vos amis, ils ont des surnoms? Ah non, j'ai un surnom de tarot, moi. Hein. Par contre, parce qu'on est très nombreux à s'appeler Janine. D'accord, c'est quoi? Et on m'appelle Ninette. Ninette! Voilà! Non mais Poussin et Lapin, c'est mignon aussi! C'est mignon aussi, hein! Vous m'en passez Poussin, enfin, Lapin? Alors je vous le passe! D'accord, pensez-le moi! Bisous, Jean-Luc! Bah ça y est, je suis revenu, hein! Eh voilà! Plutôt jaune ou plus. Alors dans une des deux enveloppes, Poussin, il y a un petit flipper, c'est un petit cadeau, c'est un tout petit flipper, mais c'est rigolo! Et dans le deuxième, c'est la dernière console de jeu qui est méga comme ça! Là. Vous voyez la console de jeu, Poussin? Oui! Et ben voilà, jaune ou orange, Poussin? Poussin? Quelle enveloppe? Et quelle couleur? Comment? Quelle couleur sont les enveloppes? Alors, il y en a une jaune, Poussin, et une orange, comme le fruit, Poussin. Eh ben, on prend l'orange. Tout le monde aurait pris jaune, Poussin. Mais bon, vous faites... Hey, tu fais comme tu veux, Poussin. Mais c'est... Non, non, attends. Robert, vous avez un surnom, non? Non. Bébert. Non, non, c'est pas à vous que je parlais, Poussin. Vous? Bébert, c'est bien aussi, Bébert. Poussin, vous m'entendez? Oui. Poussin, dans l'enveloppe orange, y a-t-il le petit cadeau, y a-t-il le beau cadeau? C'est la question. Poussin? Oui. C'est le beau cadeau! Mais vous en fait voir de toutes les couleurs. C'est la console de jeu par excellence. Tout le monde en rêve, nous vous l'offrons. Poussin? Oui? Vous vous rappelez de l'adresse où vous avez envoyé le bulletin TéléZ ou pas? L'adresse. Vous vous en rappelez de l'adresse? L'adresse de... T'as envoyé. Ouais, c'est Janine qui est derrière. Lapin, elle se rappelle de l'adresse? TF1, attention à la marche. Voilà. Faut que je prenne mon téléphone. J'ai le droit. Lapin! Pardon? Vous m'entendez, Lapin? J'entends. C'est marqué sur la télé. Vous cassez pas la tête. Oh là 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 là.
Je peux plus parler. Non, non, mais c'est... Lapin. Oui. Vous embrassez Poussin sur le bec pour moi. Oui, d'accord. D'accord. On y fera des gros bécots. D'accord. Et moi, je fais un gros béco aussi. D'accord, merci. Qu'est-ce qu'il a gagné? Parce que je t'ai entendu. Vous êtes là, Lapin? Oui. Il a gagné une super console de jeu. Ah, c'est génial. Pour les petits-enfants, ça va être super. Ah oui, parce qu'en plus, c'est la belle. C'est celle qui commence par un X et qui finit par un X. Vous voyez laquelle? Pardon? Bon appétit, Poussin Lapin! À bientôt! Merci, c'est terrible, c'est toujours. Au revoir! Robert! Ah ouais, c'est sympa. Ah, c'est sympa, Robert. Oh, très sympa. Vous avez des petits-enfants, Robert? Trois. Ah oui, trois aussi, bah oui. Et bah, ils vont être contents avec la console, hein. C'est celle que tous les enfants veulent, hein. Eh ben, ça va, alors. Eh ben, ça va aller bien. Robert est un ami belge et pour l'instant, avec notre ami Olivier aujourd'hui, eh bien, ils sont à égalité. Alors, pour tous les deux, alors que votre épouse est morte de rire, hein, Claudine. Claudine, elle passe un bon moment, là, hein. Et tout va bien. Nous allons poser la dernière question, vous l'avez compris, pour vous départager. Voici donc la question en or. Combien d'espèces différentes de scorpions existent-ils en France? Question difficile, Olivier, en France. Vous diriez combien? 10. 10. 10 espèces de scorpions différents. Robert réfléchit. Dirais-moi. Vous diriez moins de 10. On peut peut-être nommer les espèces de scorpions que nous recensons en France. Oui, Jean-Luc, il y a un représentant de la famille des Butidae, oui. Le Butus occitanus, oui. Et quatre représentants des Cactidae, d'accord. Ce qui nous fait 5 espèces de scorpions en France. Robert, c'est vous qui allez monter à mes côtés sur l'escalier aujourd'hui. Claudine est super contente et il y a de quoi. L'ami Olivier, on est désolé, hein. On vous souhaite vraiment bonne chance pour tout ce que vous entreprenez professionnellement, merci. Sentimentalement. Merci et on beaucoup. Vous offre quand même un joli cadeau parce que c'est une télévision, elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle fait 82 cm, c'est un 16/9. Vous ne serez pas venu nous voir pour rien, Olivier, pour vous remercier. Merci beaucoup. Retrouvez toute la magie du football chez vous avec ce téléviseur 16/9 grand écran de 82 cm offert par les magasins Pro et Compagnie. Super Olivier. Merci. Merci et bon retour beaucoup. Avec ce joli cadeau. Et puis un heureux retraité après 42 ans de mariage. Son épouse, ils viennent de Belgique pour venir nous voir et nous en sommes très fiers. Merci. Ça fait longtemps que vous êtes à la retraite, Robert. C'est la 12e année. La 12e année de retraite. Eh bien, écoutez, ça nous fait chaud au cœur. En plus, 30 avril, c'est votre fête. J'espère que ça va vraiment vous porter bonheur. Avec combien de petits-enfants, vous m'avez dit? Trois enfants et trois petits-enfants. Nous vous offrons, bien sûr, ainsi qu'à votre épouse Claudine, 250 €. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous aimez bien manger? Un plat qui vous plairait bien pour midi, une idée. Votre femme, par exemple, elle fait quoi à manger que vous aimez? J'aime tout ce qu'elle fait. Bien. Oui. Il n'y a pas un plat en particulier? Il y a surtout une chose que je n'aime pas, c'est les oignons et les échalotes. Ah oui, mais c'est pas, ça fait pas un plat, hein, les oignons. Oui, hein. D'accord, mais j'aime tout ce qu'elle cuisine. Bien, écoutez, c'est plutôt sympathique. Nous allons monter ensemble sur la première marche pour tenter de multiplier ce 250 € par deux. Donc, allons-y ensemble. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues. Voulez-vous ma vraie? Un bon plat de pêche bien d'abricot. Robert, première question qui nous dit une demi-livre équivaut à combien de grammes? Une demi-livre équivaut à 250 grammes ou à 500 grammes? C'est la première question que je vous pose, Robert. 250 grammes. 250 grammes?
Ça vous paraît facile? Ça me paraît facile. Bien. Au début, c'est toujours assez facile. Vous regardez souvent la Attention à la marche, non? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Et quand je ne suis pas là, je l'enregistre et je le regarde la nuit ou le soir. Tous les jours, tous les jours. Ah bah écoutez, et ce qui est bien, c'est qu'on apprend des trucs tous les jours. On apprend beaucoup de choses. Et bariton, grâce à vous, on apprend tous les jours. Mais je vous remercie, Jean-Luc. Non, non, c'est vrai. Et vous vouliez nous parler de la demi-livre? Je voulais vous parler de la demi-livre. Mmh. Elle équivaut effectivement à 250 grammes. Bien, c'est la bonne réponse. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. Alors donc, la livre française équivaut à 500 grammes, mais la livre anglaise, je parle du poids, hein, pas de la monnaie, équivaut, elle, à 450 grammes, bien. La livre britannique. Merci infiniment. Donc pour vous, eh bien, ça fleure bon. 250 euros par deux, 500 euros et tout va bien. Vous qui êtes un fan de télévision et d'Attention à la marche, nous allons parler d'un collègue assez sympathique. Vous connaissez Nicolas Hulot? Oui, mais pas Ushuaïa. Trop. Ushuaïa. Oui, oui, quand même. Tout de même, oui. Eh bien, nous allons en parler sur la marche suivante. L'émission Ushuaïa de Nicolas Hulot existe depuis combien d'années à la télé? Elle a commencé y a-t-il 15 ans ou y a-t-il 20 ans? Je vous rappelle, Jean-Luc, que Ushuaïa est une ville d'Argentine. Une ville d'Argentine. La plus au sud, la ville la plus australe du monde. D'accord. Et pendant ce temps-là, vous répondez 20. 20 ans. Est-ce que vous êtes d'accord, Claudine, avec cette réponse? Je pense que c'est un peu beaucoup. Ah, discorde dans le couple. En ce temps, avec Vincent Robert, est-ce que Claudine a raison? Est-ce que Robert a raison? Nous allons le savoir dans un instant après cette petite pause. Wow. Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre en compagnie de Robert, un ami belge aujourd'hui, et son épouse Claudine, 42 ans de mariage. Heureux comme ce n'est pas permis, fidèle d'Attention à la marque, bien sûr. La question que nous avons posée juste avant cette pause était: l'émission Ushuaïa de Nicolas Hulot existe depuis combien d'années à la télévision? La première possibilité est de 15 ans, la deuxième de 20 ans. Vous avez répondu 20 ans. 20 ans. Votre épouse n'était pas d'accord puisqu'elle avait dit 15 ans. La réponse est de 15 ans, 15 ans seulement. Elle avait raison, votre épouse. Bien, on garde quand même, bien sûr, nos 500 euros. Et on peut en dire un peu plus sur l'émission d'Ushuaïa ou pas du tout? Elle a vu le jour il y a 15 ans, non? Absolument, en septembre 1987. Elle fut arrêtée en 1995 et a repris en octobre 1998. OK. Marche suivante, où il y a la question suivante, bien sûr, allons-y. De la République, j'écrirai mes discours en vers et en musique. En France, combien y a-t-il de partis politiques? Soit 28 partis politiques, soit 208 partis politiques. Je dirais 28. Vous diriez 28 partis politiques. Petite précision, bien sûr, cela demande quelques... Eh bien, la source d'information, c'est la Commission nationale des comptes de campagne et du financement des partis politiques. D'accord. C'est une source donc officielle. Absolument. Et nous répondons 208. 208 partis politiques en France. Mais oui, il y a plein de petits partis, vous savez, beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits partis. Bien. Bon, on garde quand même nos 500 euros. Et on va tenter, bien sûr, les 2500 sur la dernière marche. Allons-y aujourd'hui. Nous vous offrons, bien sûr, un nœud d'abonnement au Chien qui parle, le fameux Télé-Z, bien sûr, qui propose les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite, ainsi qu'un bulletin de participation pour participer à l'émission, et non pour participer à une autre émission, ce serait idiot. Autant que ce soit la nôtre. Et... on va aller un petit peu chez vous, parce que une question sur Johnny Hallyday. Oui.
Oui. On va voir. On va voir ça tout de suite. La porte s'ouvre. En quelle année Johnny Hallyday a-t-il chanté Retiens-toi la nuit, Retiens la nuit, pardon, pour la... Excusez-moi, je suis... Retiens la nuit, puisque pour la première fois. Première date, 1962, Retiens la nuit. Deuxième date, 64. Je sais pas. Troisième date, 66. On va voir. Et dernière date, 68. À première vue, je dirais 66. Première vue, 66. Et puis on demande, bien sûr, aux spectateurs qui sont présents dans le public de prendre sa télécommande et d'acquiescer ou non en appuyant sur le 1 ou sur le 2 de votre télécommande. Joli sourire dans le public. Bariton n'y reste pas insensible au sourire des jeunes damoiselles. Tout comme vous, Jean-Luc. Limite jouvencelle. Eh bien, 71% du public n'est pas d'accord. Oh, 71%. Oui, j'ai bien compris. Bon, ben alors, je change. Vous changez? Ah oui, je fais confiance au public quand même. D'accord. Je vais essayer de changer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais... On changerait pour quelle date si on avait un petit penchant, Robert? Vous voulez qu'on demande à votre épouse Claudine, oui, on va demander. Oui, allez-y. Allez-y, tournez-vous, vous avez le droit, là. Deux ou quatre, comme tu veux. Deux ou quatre, comme tu veux. 1964. 64, il dit, ça c'est vous bien. Dit, Claudine? Bien. De toute façon, c'est bien. Bien. 64? À mon avis, c'est 62. Ouais. Bien. Enfin. On valide 1964, donc, puisque c'est votre choix maintenant. Quelle date, dans un premier temps, voulez-vous que nous dévoilions, Robert? 66, hein, puisque j'en ai mis 66. 1966. Y a-t-il aujourd'hui 2500 euros derrière Retiens la nuit de Johnny Hallyday? Non? On a bien fait de changer. On a bien fait de changer. Pour garder le suspense que ma femme m'a dit, on va tirer le 68. 68, est-ce que Johnny Hallyday, la première fois, a chanté Retiens la nuit en 68, 2500 euros? Et ben voilà. Et ben voilà. On regarde derrière 1964. C'est vous qui décidez. 2500 euros aujourd'hui pour Robert, venu de la Belgique. La réponse est... Ah ! C'était 1962, sitôt, je suis désolé. Mais je voudrais quand même qu'on souhaite une excellente fête à Robert qui a gagné 500 euros. Une super console de jeu pour vos petits-enfants. Et Claudine monte l'escalier pour rejoindre son époux depuis 42 ans. Désolée, hein. C'est le bisou. Oui, avec plaisir. Merci à vous de votre gentillesse. Robert et Claudine sont à la télé. On peut remercier bien sûr tout le public d'être là. Et puis aux téléspectateurs de nous regarder toujours aussi nombreux. Merci à vous. Et à demain. Bon appétit. Au revoir.